Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à My Pony, donc qui est disponible sur Windows 10, sur Windows 8, sur le marché. Ah bah tiens, il me fait penser à ça, hop, il faut qu'on change, périphérique de lecture. Merde, je l'ai mis désactivé, hop, activé, par défaut. Merci beaucoup. C'est bon, normalement vous avez le son, tranquille, ok, là c'est mieux. Alors du coup. Ok, donc ça, ok, ça c'est nickel. Ouais, je m'en fous. Ok, donc du coup, hop, on récupère les stats. Ouais, donc disponible sur le Windows Store, machin. Mais que sur ordinateur, par contre. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. C'est vrai que je pourrais mettre ça dans la description. C'est pas con. Mais j'y penserai. Je pense que je vais mettre ça dans la description, au moins vous le saurez. Voilà, comme ça au moins ça m'évitera de le répéter à chaque fois. Donc du coup, ce qu'on va faire. Alors est-ce qu'on a assez? Oh, il nous en manque plus que 3. Putain, dommage. Il nous en manque plus que 3. Ok. Putain, en plus j'avais dit qu'il fallait que je les finisse et je les ai pas finis comme un con. Voilà, donc bon, sans faire exprès, j'ai débloqué cet endroit ici. J'ai vraiment pas fait exprès. Alors ce qu'on va faire, vu qu'on a largement les sous. Ah, je sais pas, j'hésite. Est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas? Je pense que... Ah putain, c'est chiant. Je sais pas, on va voir dans la boutique, on va voir ce qu'il y a. Au niveau des poneys. Est-ce qu'on prend... Soit... Attends, on va voir quand même. Parce qu'elle coûte 47 000 si je me rappelle bien. Donc soit on prend Fluttershy, soit on prend autre chose. Putain, je sais pas. C'est chaud. Franchement, je sais pas du tout. Je dois avoir 65 gemmes pour acheter Rainbow Dash. Putain, ça va être long. Alors Canterlot, par contre moi à Canterlot je dois acheter un poney très très cher. Et c'est... donc c'est où? C'est, on va faire vite quand même. Ok, donc c'est lui. 85 000. Et bien sûr je dois acheter sa boutique qui va avec. Qui coûte 80 000. Le tout pour 165 000. C'est pas cher, pas du tout. Non, pas cher du tout. Ok, donc c'est pas grave. Alors juste comme ça je vais... attends, ce qu'on va faire. Voilà, alors juste... Voilà. Merde, non, mais non. Ouais, ok, c'est bon. Ok, donc du coup, en fait, là, ce qu'on va faire, on va aller à Canterlot. Donc, alors, après, je vais vous montrer... On va faire une petite musique, après. Et puis, je vais vous montrer un truc, en gros, pour avoir... Non, c'est pas ici, ouais, boutique. Voilà, donc, vous voyez ça, pour avoir des cœurs gratuitement. Donc, en partageant, en fait, votre score que vous avez fait... en partageant votre score sur Facebook. Donc, il faut avoir un compte Facebook, par contre. Et donc, en fait, vous partagez vos scores. Et du coup, bah, vous gagnez un cœur gratuit, quoi. Et donc, du coup, bah, à chaque fois que vous faites une danse, vous partagez le cœur. Et puis, vous gagnez... Enfin, vous partagez votre corps et vous gagnez un cœur. Donc, du coup, ça peut aller vite. Et vous pouvez gagner des cœurs comme ça. Ça peut être pas mal. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va aller à Canterlot. Et puis, on va faire une sorte de mission. Donc, en fait... voilà. Alors, par contre, j'ai eu un bug sur le jeu. J'ai pas compris pourquoi. Regardez, il y a... 1, 2, 3 Twilight, et j'ai pas compris. Ça a bugué, je sais pas pourquoi. Et là, j'en suis sûr qu'il y en a, ils vont me dire. Non, mais t'es con, quoi. C'est des changelins. Ah, mais franchement, mais il est con, ce mec. Effectivement, vous avez raison, c'est des changelins. Quand j'ai vu ça, je fais. Putain, mais c'est un bug ou quoi? Du coup, j'ai cliqué dessus, et là, elle s'est changée en changelin. Je fais, ah, ouais, effectivement, c'est vrai. Et par contre, ça a lancé une mission. Donc, c'est pour ça, j'ai vite quitté le jeu. Et du coup, eh ben. On peut refaire la mission. Enfin, on peut recommencer la mission. Alors, construire l'observatoire, on s'en fout. Ouais, donc, observatoire coûte un petit bras quand même. 200 000 quoi. souhaiter la bienvenue à Joe, voilà, comme je vous ai dit, et construire sa boutique. Le tout pour 165 000. Génial. Je suis loin d'avoir les sous. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Oh, qui est toujours sur une chat teamer, ouais. Ouais, ça. Ah, ouais, l'horloge aussi. Putain. Oh, trop de trucs à acheter quoi. Et ok, d'accord. Ah, et part de pizza, tiens, on va bientôt pouvoir le finir. Et les gâteaux, ça sera pour sûrement un autre moment, ouais, sûrement un autre moment. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, on va commencer la mission. Donc, allez, c'est parti, on clique. Oh, les changelins sont là. Alors, tu as certainement remarqué, Twilight, la princesse Estia a demandé sécurité accrue à Canterlot. Oui, ça, tu l'avais déjà dit, je crois. Les changelins attaquent Canterlot, nous avons besoin d'aide pour restaurer le royaume afin d'accueillir le mariage. Ouais, bizarre quand même. Je vais devoir passer mes journées à protéger la ville. Je vais avoir besoin de ton aide pour nous débarrasser d'eux.
Ok, pour les faire partir, tu dois utiliser le bon fragment d'harmonie. Et quand tu veux que je sache? Tu devras utiliser le fragment qui correspond à la couleur des cratères créés par l'échange là. Ouais, ne t'en fais pas, grand frère, on ne va pas laisser ces changelins briser l'harmonie qui règne sur Equestria, putain. J'ai horreur de lire, c'est un truc de fou. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je suis niveau 35 et tout. Bientôt niveau 36, les gars. Ouais. Quoi? Oh, mais t'es sérieux, là? Oh là là. Bon, heureusement que j'aime beaucoup de ça. Ok, allez, dégage. Boum. Ah, ok, d'accord. Alors, toi? Hop. Du bleu? Non? T'es où? D'accord. Ah, bah, ça va, tranquille, j'en ai plein de ça. Ouais, donc du coup, en fait, le maximum de ça, là, maximum qu'on peut avoir dans le stock, donc ici, là, c'est 999. On peut pas aller au-dessus, c'est pas possible. Donc voilà. Alors, j'aimerais juste ne pas tomber sur ça, parce que j'en ai 97. Et ça me ferait chier d'en perdre plus. Ok, on va essayer d'en avoir 100 dans l'épisode. Donc là, on va faire vite. Je vais vous montrer en 2 secondes. Donc voilà, on va faire une petite musique vite fait, bien fait. Une petite musique, hein, je dis bien. On va aller sur... Hop, hop, voilà, celle-là. C'est parti. On va prendre Twilight. Alors vous dites, mais non, elle a que du 2%. C'est quoi ce délire? Autant prendre Rainbow Dash qui a 4%. Seulement Rainbow Dash, eh ben, je n'ai pas de niveau avec elle. Alors que Twilight, j'ai du niveau avec elle, j'ai 5 étoiles. Et ce qui me permet d'avoir 10% en plus. Donc vous imaginez, en tout ça fait 12%. Et franchement, c'est énorme. Et donc du coup, bah voilà. Mais ça, ils le disent pas. Ça, ils le disent pas. On verra à la fin, vous verrez. On a 10% en plus. Donc là, hop, on prend le gratuit, 2%. Hein. Deux, ils mettent jamais sur le gratuit. Hein. Ils mettent sur le 2 gemmes au cas où que tu te trompes. Et hop, boum, tu utilises tes gemmes comme un con. Et ouais, non mais bon. Donc c'est parti, on se concentre. Bon, voilà, hop. Alors. Merde, putain. Appuyer deux fois comme un con, t'sais. Bon, ah putain, mais... Oh, mais je sais pas pourquoi ça appuie deux fois, des fois. Putain, dis. Tu vas être un stressé de la vie, t'sais. Ok, alors, hop. Ok, nickel. Oh, jusque-là, on est bien, hein. Bon, faut dire aussi, c'est une difficulté facile, donc ça passe. Il y a des fois, il y a quelques petits bugs. Des fois, ça prend pas en compte mes clics. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si ça vient du périphérique ou si ça vient de directement du jeu. Bon là j'ai fait un peu de la merde j'avoue. Bon je suis un peu mal positionné aussi donc ok donc hop. Bon bah c'est nickel ça. Hop là, hop là, hop là, hop là. Non j'ai pas eu putain. Dommage. Ok donc là en fait faut relâcher au moment où il y a le cœur en fait. Sinon ça prend pas en compte. Oh non j'ai pas eu putain. J'ai réagi trop tard. Ça va, je suis en bon score quand même. Tain, tain, nan, nan. Tain, nan, nan. Oh, mais je l'ai eu, putain. Tu vois, il y a des fois, ça passe pas, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Voilà, par exemple, j'ai cliqué alors qu'il était là et pff, ça prend pas. Donc je comprends pas pourquoi. Ok, 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 nickel. Jusque là, ça passe. Nickel. Bon, bah voilà, ça passe bien ça. Bah si, 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 si. Tais-toi, ça passe. Tu assures. Ouais bah y'a que là dessus que tu me dis tu assures hein. Sur les autres tu me dis je sais plus quoi. Ouais donc comme je vous ai dit si vous regardez bien. Oh il me reste 15 minutes. Vous pensez qu'en 15 minutes je peux aller jusque là-bas? Même en utilisant des gemmes je pense que c'est pas possible. Alors tu as gagné 1000 pièces. Mais c'est génial ça dis donc. Bah j'ai bien fait de faire ça dis donc. Donc voilà donc partage. Voilà donc tu partages. Donc moi je suis déjà connecté. Donc voilà il sait. Mais sinon il va vous demander de vous connecter tout ça. Et donc en gros là normalement c'est pris en compte. Ouais ça a l'air d'être pris en compte. Quand c'est comme ça c'est que c'est pris en compte. À la limite t'attends allez, 5-10 secondes histoire d'être sûr que ce soit pris en compte. Et puis après tu te barres. Voilà donc comme je vous ai dit niveau de poney plus 10%. Voilà donc je vous l'ai dit. Alors je regarde vite fait 2 secondes. Okay. Oh on est qu'à 10 minutes. C'est bon ça c'est bon. Je m'améliore. Alors multiplicateur 2%. Ok. Non je m'en fous en fait. Voilà. Ok voilà donc on va regarder. Donc j'étais à un cœur et là maintenant on est à un cœur. Va te faire enculer, il a pas pris en compte. C'est pas grave, bon bah ouais, des fois ça bug. Il a pas pris en compte, il a pas pris en compte, et je sais pas pourquoi. Mais normalement il prend en compte. Enfin bon, c'est pas très grave. Du coup. Eh ben il se fout un peu de ma gueule le jeu là. Comme par hasard quand je vous montre ça fonctionne pas, bizarrement. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de choper
Par contre, ça risque d'être dur, mais on va essayer de choper quand même des... des trucs de Fluttershy, là. Espérons qu'on y arrive. Hop. S'il faut, je vous laisserai de côté et puis je ferai une petite coupure dès que je les aurai. À la limite, hein, dès que... Si par exemple, là, j'arrive pas à les avoir, eh ben, on fera ça, je pense. Parce que sinon, ouais, ça va vraiment durer trop longtemps. Vous imaginez le délire. Ok. Hop, calme-toi, putain. J'ai le micro qui me gâche à moitié la vue, tu sais, donc du coup, je vois que dalle. Et ouais, c'est chaud. Oui, bah c'est magnifique. Non, mais... À chaque fois, ici, je me fais avoir. Quand il y a un truc comme ça, je me fais toujours avoir. Tu peux être sûr qu'à chaque fois, je me fais avoir, tu sais. Ok, donc là, on va essayer de récupérer les deux gemmes qui ont spawné. Ok. Ouh, on en a déjà eu un, c'est déjà ça. Est-ce qu'on aura le deuxième? Putain, toujours pas. Là, nickel. On a gagné deux gemmes, les gars. Ça, c'est génial. Ok, nickel. Hop là. Bon, jusque là, on est bien. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de signe de Fluttershy, là, de papillon. Mais généralement, c'est quand t'arrives vraiment très loin, genre vers les 2000, 2500. Peut-être même 3000. Ouais, vers les 2000, 2500. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, il suffit d'avancer. Puis après, eh ben, on les récupérera en temps voulu. Donc, pour l'instant... Non, mais... Si je me fais niquer comme ça aussi, hein, ça va pas le faire. Allez, on ressuscite en espérant avoir les 3 gemmes. Ce serait bien au moins 2, comme ça on se rembourse. Ok, donc hop. Ok, nickel, on a déjà eu un, c'est déjà ça. Et après, il en reste plus que 2. Oh, vous voyez, on est à 999 et on peut pas aller plus haut. C'est le maximum. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ok, voilà, on prend le gemme. Et alors, est-ce qu'il y en a le petit troisième? Pas trop dur. Bon, on l'a pas là, déjà. Des fois, ils sont très très longs. Enfin, des fois, il est très très long à avoir le troisième gemme. Ça m'est arrivé, des fois, d'attendre je sais pas combien de temps. Putain, je suis mort comme une merde. Oh là là, dommage, dommage. Donc, je crois que j'ai pas eu de truc de Fluttershy. Ouais. Bon, c'est pas très grave ce qu'on va faire. Je pense que... on va voir déjà ce que j'ai. Oh, j'en ai même aucun. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer ces 3 gemmes. Et puis on se dit à tout de suite pour avoir les 3 gemmes, tout simplement. Enfin, les 3 gemmes, les 3 trucs de Fluttershy, là. Allez, c'est parti. Bon, les gars, j'ai réussi à avoir le centième truc de Fluttershy, là. Donc ça fait la deuxième fois que je recommence la mine. Et voilà, donc du coup, on a les 100 trucs de Fluttershy, on va pouvoir utiliser les 100 pour pouvoir, malheureusement j'ai perdu, dommage, pour pouvoir réussir à avoir, comment ça s'appelle, ouais, donc en fait les trucs Fluttershy on les a plus vers le 3500, hein, finalement, 3000-3500, ça commence à apparaître, enfin bon, ouais, c'est assez chaud, mais ouais, j'ai réussi à les avoir, comme par hasard pile 100, on se demande pourquoi. Et là, imagine comme un con, j'appuie sur une bête et tout, boum, ça m'en enlève un. Putain, j'aurais l'air con. Non, j'en ai 101, tiens, bizarrement. Je sais pas, je dois en récupérer une sans le savoir. Alors, du coup, élément de la bonté, nanana, hop, on active, voilà, donc maintenant. Alors, vos efforts pour récupérer les pierres d'harmonie sont touchants. on en a 3, hein, donc commence à flipper, hein. Mais 20. C'est cela, oui. C'est faux, ouais, tu vois. Ok, nous devons restaurer l'équilibre entre le soleil et la lune. Ouais. Tu ne peux pas faire en sorte qu'il fasse nuit toujours. Bah si, la preuve, elle le fait. Bon, là, il fait pas nuit parce que le jeu est un peu con, mais... Ah, quelle naïveté. Bien sûr que je le peux. Économisez vos forces, acceptez-moi comme reine. Et savourez les ténèbres éternelles. Ah, mais je peux pas, j'ai oublié de faire ça. Ok, alors juste comme ça, je sais pas si vous savez, mais si vous donnez, voilà, si vous donnez des éléments comme ça à la statue, eh ben, ça vous donne des sous, voilà. Bon, juste comme ça, pour vous dire, machin, voilà. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'on a pas mal de sous, on a pas mal de choses et tout, on a activé l'élément, c'est plutôt pas mal, et ce qu'on va faire, on va aller dans la boutique et on va faire quoi? Parce que là, il y a des boutiques à acheter.
Après, on n'a pas de poney, donc c'est vrai que c'est un peu con. Vaut mieux peut-être acheter des poneys. Je sais pas, franchement. C'est vrai que le bowling, moi, il me tente bien. Ah, je peux presque faire les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord acheter Fluttershy, au moins ça sera fait. Tu vois, hop, vas-y, avance. Voilà, hop. Ok, Fluttershy, voilà. Donc pour 47 500, c'est magnifique. Après, il nous faudra Rainbow Dash. Je pense qu'il va falloir le récupérer assez vite. Donc dans 30 gemmes, on aura Rainbow Dash. Bon, 29 pour être exact. Alors elle, on va la mettre où? Franchement, c'est vrai que c'est un peu con de la mettre au fond là-bas. Mais d'un côté, on peut la mettre que là-bas, je pense. Ouais, il n'y a vraiment pas de place. Il y a des trucs de partout, quoi. Bon, c'est pas grave, on la met au fond. C'est dommage, je vais pas la mettre ailleurs. Trop bizarre. Ok, non, juste là. Ok, nickel. Boum. Ok. Génialissime. Vous savez quoi, on va pas se faire chier 2 secondes. Regarde, hop, voilà, ça prend 2 secondes, regardez. Hop. Hop, on fait ça. Allez, allez. Vite, vite, vite. Descends. Merci. Hop, on règle l'heure. Voilà. On définit l'heure. Nanana. Voilà, on ferme les fenêtres qui servent à rien. Hop, on change l'heure. Genre, on est le 2. Hop là. On fait ça. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, on est avec la maison de Fluttershy actif. Donc, construit. Voilà. Alors, est-ce que ça charge vite? Ok, nickel. C'est bon. Pas besoin de faire de coupure. Voilà. Donc, du coup, on a la maison de Fluttershy. Bah ouais, en plus en même temps on a un peu de sous, du coup on va pouvoir s'acheter l'autre truc. Ok, donc là maintenant voyons ce que ça donne. Putain, Fluttershy avec nous quoi, c'est magnifique. Donc du coup maintenant on lui souhaite la bienvenue comme d'habitude. Ok, donc ça va, ouais, j'en fous pour l'instant. Ok, hop. Bah voilà, ça c'est fait. Ça c'est nickel, vas-y, ça je m'en fous. Bah c'est nickel, alors juste combien de temps pour le jeu là? Attends, vas-y, là, viens là. 175 minutes pour les jeux, bah vas-y, c'est assez long. Ok, donc du coup, on va acheter l'autre. Juste, il faut que je fasse de la place. Bim, pile ce qu'il faut. Est-ce que je peux faire de la place? Est-ce que je peux mettre là? Putain, je crois qu'il y a ça qui va gêner. Hein. Je crois qu'il y a ça qui va gêner. Combien de temps? Oh là là, trop longtemps. Alors, achetons. C'est où? Non, c'est la boutique. C'est boutique, petite boutique. Bowling. Ah, ça pourrait le faire. Si on enlève ça, ça pourrait carrément le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Bah, casse-toi. Allez, hop, voilà, c'est bon, on a utilisé un gemme. Voilà, comme ça au moins on a la boutique, c'est pas très grave. Enfin, on a la boutique, on a le bowling. Ok, donc hop, on met ok. Et puis là, eh ben on aura le bowling pour la prochaine fois, parce que j'ai la flemme d'avancer la date. Et donc du coup, pour la prochaine fois, on aura le bowling, ce qui va être plutôt génial. Et puis voilà, donc là, un épisode plutôt chargé. Pas mal de choses de nouveau dans l'épisode, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, donc j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc du coup, bah, je vous dis ciao. Et puis à une prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.